Vous êtes de retour, Tata Fatou. Bonne arrivée. Donc, je ne serai pas long. Je ne serai pas long. Nous avons aujourd'hui le nom du responsable de la mobilisation de certains jeunes perdus de la forêt. C'est-à-dire un des neveux de Papa Koli Kourouma. Moi, je ne serais pas surpris de voir Papa Koli Kourouma parce que déjà, on m'annonce des retours des anciens ministres dans le futur gouvernement. Voilà. On m'annonce le retour de certains même proches du professeur Alpha Condé dans un futur gouvernement. Voilà. Diangabi, bonsoir. Mais, excusez-moi très fort, j'ai été informé de la vidéo d'un jeune que je ne connais pas, qui s'appelle Alpha Nias Kouyaté. Lui, il prétend me connaître. Moi, je ne le connais pas. Il a fait une vidéo. Il paraît qu'on l'a supplié de ne pas me faire du mal. C'est-à-dire que lui, il est guéri. Voilà, qu'il a le médicament. Il a le médicament. Beaucoup de choses. C'est vrai. Donc, il s'appelle Alpha Nias Kouyaté. Selon lui, dans sa vidéo, il paraît, moi, je ne l'ai pas écouté. Il est concentré, selon lui. Il est là. Et Allah, Bekokonitoué, les gens ne fanena. Et puis, quand il a choisi son camp, il est libre de choisir son camp. Moi, je ne le connais pas. Moi, là, je ne le connais pas. Comment je peux donner une importance à quelqu'un que je ne connais pas? Ça, mettez le cœur, il y a un individu à notre. Moi, je suis allé, quand on m'envoie la vidéo, j'ai vu sa photo, j'ai vu la vidéo, je suis allé mettre là-bas full camp. Je l'ai juste dit full camp. Tu te concentres. Et Allah, Bekokonitoué, Kouéla, Bekokonitoué, Bekokonitoué. Ah, Mbarana qu'en choisi, je suis libre, nous sommes des guélis, nous sommes des gens qui appellent à la paix haute là. Hey. Mais, même quand toi tu dis que les gens t'ont demandé pardon, est-ce que moi, Benito, je te demandais pardon? Moi, je ne te connais pas. Moi, je te connais. Et puis, il est le seul qui tape sa poitrine. Que lui, il est guéli, lui, il est. Il est quoi, bah? Il est. Et selon Motenefanena, mais tous ceux qui sont allés suivre sa vidéo, moi je voudrais vous informer. Le jeune, je m'en vais vous montrer sa photo. Voilà pourquoi j'ai dit, et je le répète, je remercie tous mes abonnés. Moi j'ai dit à mes abonnés de ne pas répondre aux injures. Ne répondez pas. J'ai deux administrateurs qui gèrent mes pages. Est-ce que vous comprenez? Donc ne vous en faites pas. Vous comprenez? Vous savez la différence entre tous les supporters de Madi Doumbouya, tous les supporters. C'est que c'est eux qui sont inquiets. Nous, nous sommes sereins. Dans un combat où tu vois que ton adversaire, lui, il est serein, il est toujours sur son combat là. C'est-à-dire que Mamadi Doumbouya aurait dit qu'il sera candidat, il a dit ça à quelqu'un. Moi, je suis allé à l'école, moi je ne suis pas un animal, ce n'est pas les cornes qui me manquent. Vous comprenez? Pour être candidat, là, on vient annoncer au peuple, on fait un discours, on dit je suis candidat. Dadis l'a fait. Dadis dit que je vais ôter la tenue pour être candidat. La suite là, tu verras, il ne s'agit pas de murmurer. C'est à cause de jusque-là, là. Vous avez vu? Personne ne s'est focalisé là-dessus. Personne. On s'en fout de ça. Je l'ai dit aujourd'hui dans mon direct. C'est un non-événement. On dit, ah, il paraît que Doumbouya a dit, voilà, il y a une vaurienne aussi, quand on dit quoi, il a dit qu'il sera candidat. Mais ce n'est pas moi qui serai candidat, c'est lui, Doumbouya, qui sera candidat. Qu'il vienne dire aux Guinéens que je me présente. C'est tout, viens te présenter. Mais je voudrais m'adresser à toi. Voilà le petit, attends, je vais vous montrer sa photo. Non, je vais vous montrer sa photo. Il dit il paraît qu'il est un grand guéri. Lui dit qu'il est guéri, il a le médicament. Kono, Allah, Molko Konitoé, selon Moten Nefanena, Konitoé, Moten Nefanena. Je vais vous dire ce qui s'est passé.
Depuis que l'artiste l'a senti les injures dans sa chanson, est-ce que vous m'avez vu un jour chanter en insultant? Non. Celui-là qui est venu nous insulter, ce n'est pas le problème. Hein? Vous avez vu? Hein? Vous avez vu des mamans, des sœurs en train d'insulter. Non, Salus, voilà, c'est un non-événement. Moi, j'ai dit à beaucoup, ceux qui Benito, j'ai dit, c'est un non-événement. Organiser une conférence de presse, venez dire que, à partir de l'instant, j'ai candidat. Assimi Goïta l'a pas dit d'abord, hein. Le peuple est assis comme ça, là. Vous n'êtes pas un élu du peuple. C'est ce que tonton Alpha Blondie a dit. Il n'y a pas de démocratie militaire. Hein, Alpha Blondie, le vieux Alpha Blondie, dit qu'il n'y a pas de démocratie militaire. Bande de militaires qui veulent assoiffer du pouvoir pour se maintenir au pouvoir. Ils ont des arguments fallacieux. Certes. Allez écouter l'interview de papa, de tonton Alpha Blondie. Est-ce que vous comprenez? Donc, je voudrais dire à ce petit-là, parce que moi, je ne te connais pas. Il a fait qu'à Valer le dire. Le seul Djeli que je connais, c'est Djeli Mankouyaté. Et voilà Djeli Mankouyaté, avec ces petits-là. Je connais Faux de Kouyaté, comme dit l'artiste Faux de Djeli le Oldi. Je connaissais Paix à son âme, Mori Djeli Kouyaté. Je connais Djeli le Oldi. Mais il est demandé à tout. Moi, c'est la première fois. Toi, Alpha Nias Kouyaté. Wallahi Billah, c'est la première fois. C'est la première fois. Ni Tomé. Moi, ni Tomé. Kafo, ni Tomé. Kafo. Non, Alpha Nias Kouyaté. Ko Grioli dit. Parce qu'il y a des Kouyaté qui sont des Maraha. Il y a des Kouyaté qui sont Yakanké. Je connais des Kouyaté qui sont des Yakanké. Ce n'est pas tous les Kouyaté qui sont des griots. On est quelqu'un qui a fait des millions. Je ne te connais pas. Tu es venu monter. Il est là, chauffé pour. Kotage moi, Benito. Mon ami, je ne t'ai même pas suivi. Avec la vie de la masse, j'ai pris le temps d'écrire en bas là-bas. Full camp, petit full camp. Tu es un zéro. Parce que Milon, voilà Milon, c'est mon administrateur là qui m'a envoyé. Voilà, si là, il dit, Colomna, ma Colomna, ok, il faut l'écouter. Il dit, non, ma écoute, il dit, tagué ma Benito. Il a fait 14 dièmes parce que nous reconnaissons tous les délits qui font les Soumous et autres là. Même Djiba, je connais Djiba. Même Djiba me respecte. Djiba, l'autre Djiba là, celui qui a le truc là sur son front ici là. Némi les longs. Et puis, la Djamana Foufou. Et puis, j'ai vu que tu as effacé la vidéo. On t'a dit d'enlever la vidéo. Je veux te dire quelque chose, petit. C'est-à-dire, je ne devais pas te valoriser, comme dit mon ami. C'est-à-dire, tu veux qu'on te valorise. Il a fait ni toi le bima. Moi, là, tu ne m'intéresses pas. Moi, je fais mon combat politique. Il y a de cela 2 ans, 3 mois qu'à Vobé. Chacun est libre d'aller supporter Doumbouya. Chacun est libre de supporter Doumbouya. Mais le problème, nous devons aimer Doumbouya, là, c'est là le problème. Nous appartenons à des partis politiques. C'est là le problème. Chacun est libre d'aimer Doumbouya, de supporter, de chanter le nom de Doumbouya. Même Didier au fort. Mais le fait que nous sommes d'une autre position, il y a plus de 1000 injures dans mon inbox. Je vais vous dire au fait ce qu'il a écrit. Mon petit m'a envoyé les captures d'écran de son injure. Il est venu m'insulter en inbox. Il a écrit 3 fois. 3 fois, il m'insulte. Moi, je ne lis pas les commentaires. Lui, quelqu'un que tu ne connais pas. Et puis lui, tape sa poitrine. Je le connais. Wallah, je ne le connais pas. Ni d'Adam, ni d'Ève. C'est le petit qui est parti écrit là-bas que je sais qu'il a énervé. Toi, tu te permets de venir sur la page de quelqu'un. Tu viens, tu l'insultes, pas, tu écris. Voilà les gens qui insultent, qu'ils répètent le mot là 1000 fois.
Bouassa, merci, Bouassa, merci pour les étoiles. Il est venu m'insulter depuis avant-hier. C'est le petit qui a fait les captures de Kaïd. Moi, je vais juste rentrer. Je fais dormir ma fille, j'ai regardé le téléphone. Le petit a fait, j'ai dit, cherche les captures d'écran de son injure. Il a fait les captures d'écran. Il m'a insulté 3 fois. Je n'ai pas répondu. C'est la 4e fois hier, il a insulté. Le petit l'a répondu. Il a répondu. Toi, tu insultes quelqu'un. Tu vas sur sa page. Tu te permets d'insulter. On te répond et puis toi, tu es fâché. Il y a un caraco qui la monte. Hey, tu veux me distraire. Tu veux me distraire. Hey, nous connaissons vos plans. Hein? Nous connaissons vos plans. Aïe, au Kala, les Kono, pour que nous occupions là. Moi, petit, Alpha Nyasa, Alpha Nyasa, il bila Koro 1000 fois. Nous les cafons. Vidéo, mais à l'avant, il bila Koro 1000 fois. Ne donne à la 6e kakorodi. Ndoni worna kakorodi. No fina. Iba kila mana mana la imbaro. Il faut aller supporter là-bas. Ne, moi, tu ne m'aimes. Moi, tous ceux qui supportent Alpha, Doumbouyala ne m'intéresse pas. C'est eux qui viennent dans mes inbox. C'est eux qui viennent faire les commentaires. C'est eux qui viennent nous insulter. Est-ce que tu m'as vu un jour suivre quelqu'un qui parle de Doumbouya? Normalement, si, non, dans les conditions normales. N'est-ce qu'à respecter. Ça dit, si chacun restait dans son camp là, n'allait pas avoir de problème. Tu ne verras jamais un abonné, un vrai abonné de l'alliance RPG, IFDG, IFR. Allez vous écouter. Il n'écoute pas. Regarde, tant Djeri Mankouya, tu commences là. Nous, on parle là-bas, on écoute. Nous, nous écoutons notre camp. Mais vous, vous n'acceptez pas de rester dans vos camps. Mais dès que quelqu'un, dès qu'on est connecté là, vous venez sur notre page et puis en insultant. Vous ne venez pas nous écouter. Hein, parce que nous vous perdons. Tu n'es pas mon égal petit. C'est Mamadi Doumbouya qui m'a. Lui, il me connaît. Doumbouya là, il me connaît. C'est Doumbouya là qui. Lui, il me connaît. Il a répété mon nom plus de 4 fois en conférence, en conseil des ministres. Non, au final là. Toi, Doumbouya, ni le relo. Il est à la fou. Ni le relo. Ne doit pas le long. Un toffe là. Il dit mon nom. A une toffe là, à répéter la voix. Il m'a tout aidé. Il m'a tout aidé. Merci, Tian. Il m'a tout aidé. Donc, moi, je te connais pas. Te voilà ici. Il faut aller supporter. Et puis, je le répète, va supporter. Si chacun restait dans son cas là, il n'y a pas de problème. Moi, quand je m'abonne là, tous nos abonnés là, c'est les abonnés de IFR, de l'IFDG, de RPG. Quand tu gagnes la puissance et en direct là, on s'en va là-bas, on écoute tu gagnes la puissance parce que donne des informations. Si Mathieu, Damaro, Mamoulou Sila, Konateke, et puis c'est comme ça. Nous on voyage comme ça. Mais tu ne verras jamais quelqu'un aller vous écouter parce que vous ne dites rien de potentiel. Nous nous connaissons ce qui se passe sur le terrain. Mais quand nous prenons ce qui se passe sur le terrain, on met sur la face du monde là. Pourquoi vous vous énervez? Pourquoi vous venez insulter? Toi tu es venu m'insulter ma page. Moi, je ne suis pas abonné à ta page. On n'est pas amis sur Facebook. Tu viens m'insulter? Mon administrateur te répond et puis toi, tu es énervé. Donc, il est café, ça n'est pas. Il bila Koro 1000 fois. Il est à Blaé. C'est Alpha Nias qui a été. Il est café. Il coquille 1000 fois. Ibrahim. Excusez-moi un peu. Je vais aider un peu l'autre là aussi. Tu pouvais rester sans venir me suivre aussi. Donc, regardez-le, c'est lui. Regardez-le. Quoi, c'est lui? Le voici ici, là. Ah, ma frère, allez-le, entier. Quoi? N'est mal au moment. Regardez-le. C'est lui. Quoi? Quoi? Regardez-moi. Quoi, bas, il y a un boulot. Quoi, mal au mouillard, il y a un boulot. Quoi, mon tas de fanenna. Il y a un il est fateneni. Hein? Je vous montre le gars en question. Après, regardez-le. Regardez-le ici, il n'y a pas de souci. Allez-le, regardez. Il a effacé sa vidéo. Comme Olka m'a dit, regardez-le ici. Regardez, c'est lui qui est là comme ça. C'est lui qui est au milieu comme ça. Regardez. Donc, on est brada. Moi, je passe à autre chose. Tu n'es pas important. Brada, nous finissons là. Petit, il tolle le quoi, il tolle le nina. Moi, je vous ai déjà dit, si vous savez que Doumbouya est populaire là, votre groupe, prenez votre arsenal là, promenez-vous en Guinée pour faire la campagne Doumbouya.
Levez-vous, comme à l'anayer là, toi tu as médicament, il faut basi bolo, il faut piater, il faut geler, il faut basi de bolo, il faut faire de bolo. Mon ami, nous on le traite, picotant de brafa, il est à ok, propre, brouille, bansan, il daro. On a gagné un café dans un coup full camp, voilà un café, un coup full camp. Fonya di daro, fonya ni de, peki, alpha nyas piate, il bila koro mille fois, ne le café yana. Et bah, restez comme ça. Doumbia a force spéciale, non? Il a tout. Il a force spéciale. Il a les blindés. Il a tout. Quel coursier. La Guinée, là, c'est pas pour ses parents. La Guinée, là, elle est belle, bête à la Guinée. Comme il a décidé de confisquer le pouvoir, là, elle est calmée. Vous allez voir la suite. Ce qu'il a dit, là, bête à mais si Doumbia avait dit le 5 septembre, quand il a pris le pouvoir le 5 septembre dans son discours là, il dit que nous allons organiser les élections dont les militaires vont participer. Je le jure, il n'allait pas faire deux jours au pouvoir. Donc il a trouvé les mots pour mentir au peuple de Guinée. Le discours là-bas, s'il avait dit ce jour là, le même jour, à Yafor Dounyana, qu'on ni moi, ni les membres du gouvernement, personne ne sera exclu à une élection. C'est-à-dire nous allons participer. Vous pensez qu'il allait faire deux jours là-bas? Vous pensez qu'il allait faire deux jours? C'est parce qu'il a dit que ni lui, ni un membre du gouvernement ne serait président. Ngo le kaké de là-bas jusqu'à la Yanté. Ate ma colonique. Donc, je veux laisser petit, n'a répété, ya mea, on t'envoie la vidéo, ne le couillé, il est Alpha Nyas. Il est Alpha Nyas, quoi Alpha Nyas, quoi Alpha Nyas, kouyate. Il bilakoro mille fois, ni katoué. Comme moi-même, bien, Madiala vous dit, à CNRD, Jamaïn, il a allé, Jamaïn, ou allé, Popa, il est bilakoro, un petit enfant comme ça, là. Si toi, tu as un médicament, mais longtemps, il fallait finir avec le RPG. Quand tu as un médicament, qu'on va te porosoto. Un petit, un foulcan, un vaurien comme ça, manamanamon, qu'on bassi, nebolo, ça a bimbara kete. Poré! Diamanto, il la kabakabala, kosani, boulot, la effet, diam. I would la traite de ma brapan. Ici, barab, merci madame Yari, merci pour les étoiles. Ici, barabaliama, ici, voriema. C'est ce que l'imam a dit. Je vais faire passer ça et puis on va laisser ça. Demain, Inch'Allah, on a la kabida, mais ils vont t'expliquer le travail des vrais djelis, les vrais djelis là. Ou lui, il est djelis, vrai, lui, alouté. Il est vaurien, comme ça là. Faut taguer moi, Benito. Taguez-moi, Benito, moi, on peut me taguer. Ne dis ça, moi, je peux venir m'asseoir pour t'écouter, toi. Moi, je peux venir m'asseoir, qu'il est écouté. Il est vaurien. Bon, chef, excusez-moi. Je vais vous montrer le petit, là. Je voudrais m'adresser au petit, là. Voilà. Je voudrais m'adresser au petit, là. Avant que cela ne soit trop tard. Regardez-le très bien. Vous avez vu ce petit, là? Regardez-le très bien. Cher forestier, voilà, je m'adresse à tous les forestiers, tous les jeunes forestiers. Regardez ce petit. Regardez-le très bien. Ce petit s'appelle Abaka Kolu Kuruma. Regardez-le très bien. Le petit là, il est de la famille de Papa Kolu Kuruma. Aujourd'hui, ils sont en train de nous parler du retour de certains ministres du professeur Alpha Condé qui sont capables de mobiliser les régions pour un président. Moi, je ne m'adresserai pas à tonton Papa Kolu Kuruma. J'ai beaucoup de respect pour lui. Vous connaissez un jeune forestier, un moment, j'ai mis sa photo, je l'ai remis à sa place. Il a disparu depuis que Bernard Gomoua a été enlevé, il a disparu. Il faisait des campagnes de tournée. Il est plus important, on ne parle plus de lui. C'est le petit là, c'est l'un des neveux de Papa Kolu Kuruma. Celui qui organise, parce que la cola et l'information qu'ils ont envoyé, c'est notre patriarcal à Zéréko. Le patriarcal là n'est pas Konya, c'est un guerrier. Oui, Amak, oui, il est guerrier, je pense bien, il est guerrier. Le patriarcal de Zéréko, c'est un guerrier. La direction est là, c'est un guerrier, mais il est très bien, le vieux est très sage. Il est très honnête.
Le vieux là, on m'a promis, beaucoup me l'ont dit. Benito, même si on prend le diamant, on donne le vieux là, il ne va jamais appeler la forêt à voter pour un militaire. Je voudrais que tu te renseignes l'histoire du vieux là et d'Addis. Qu'on t'explique l'histoire du vieux et d'Addis. Le vieux là ne se laisse pas perturber, le vieux là. Là, là, il faut oublier, n'aie pas peur. Si c'est le patriarcat qu'on connaît là, la direction du patriarcat de Zéré dans la forêt là, il faut rester dors tranquille. J'ai dit, ok, j'ai compris. Donc, comme on ne peut pas organiser un tournoi à Zéré Coréville, parce que jusque-là, personne n'a accepté, personne, Mossima Humunamina. Et pourtant, oh, le petit là qui est en train de taper sa poitrine, à Zéré Coréville, il y a les Malinké, il y a les Konyanké, il y a les Guerzé, il y a les Kissi, il y a les Peul. Toutes les communautés sont à Zéré Coréville. Est-ce vrai? Mais, comme on nous a dit que c'est des anciens d'Alpha Condé, ceux qui sont capables de mobiliser là, qui vont être bientôt des ministres. J'ai reçu, oui, ils seront bientôt des ministres. Moi, je voudrais voir les proches du prof Alpha Condé accepter d'être le ministre de quelqu'un qui est venu combattre la gabegie financière, combattre, hein, venir combattre. Hein, le troisième mandat, selon eux, venir combattre, hein, faire l'amour, c'est-à-dire, hein, la personnalisation du pouvoir, c'est-à-dire les images partout. J'attends, nous ne sommes pas pressés par rapport à ça. Vous voulez qu'on participe à vos mamayas? Vous avez nos prisonniers politiques, vous avez nos candidats en prison, vous avez l'ensemble de presque l'ensemble. La moitié de la direction du RPG en prison. Vous avez les gens en exil. Vous avez fermé les médias. Tout. Vous avez tué les membres de la société civile. Et vous, vous voulez qu'on vous choisisse comme président de ce pays. Quand je dis vous, la comprenez. C'est grave. C'est-à-dire, quand on se met à citer tout, on ne va pas s'en sortir. Donc, voilà ce que le petit dit. Et voilà. Et puis le jeune là, il y a un autre à forêt là-bas. Il faisait partie de la mobilisation du RPG en forêt. Une fois là, j'ai montré le petit là, le costaud comme ça. Quand Bernard Goumou est arrivé, il était très actif. C'est lui-même qui était chargé de mobiliser les gens à la recherche de Claude Pivi. Mais depuis que j'ai fait sa vidéo là, il a fait profit bas. Il était chargé même de chercher Claude Pivi en forêt. Et voilà, voilà ce qu'il écrit. Il dit, c'est Abakar Koliko, il dit, le rendez-vous pour la grande finale du tournoi doté du trophée Mamadi Doumbouya est pris pour ce 22 septembre 2024 au stade municipal Nyanko Samoué de Samoué. En effet, la grande commune rurale de Samoué est la plus proche de Zéré Coréville avec 28 villages, 10 districts, 18 secteurs et une population estimée à plus de 85 000. Il cherche des points. Ça, c'est un message qu'il envoie au CNRD. Il y a un tournoi là-bas. Il paraît qu'il n'y a même pas de tournoi. C'est la finale, lui, il annonce, mais il est en train de donner les détails de la sous-préfecture, c'est-à-dire les villages qui appartiennent à la commune rurale de Samoué. Ouais, il est en train de vendre son image. Il dit que la contrée, 85 000 personnes, hein. Regardez le petit menteur. Toute la contrée là, 85 000 personnes. Est-ce que vous connaissez le chiffre 85 000 personnes quand vous le transformez en population? Donc lui, il dit, en effet, la grande commune rurale de Samoué est la plus proche de Zéré Coréville avec 28 villages, 10 districts, 18 secteurs et une population estimée à plus de 85 000, ce qui présente une grande opportunité pour promouvoir la paix, la compréhension mutuelle, la cohésion sociale à cette période de transition entre parenthèses haute tension. Le parrain, écoutez très bien, le parrain honorable Abakar Koli Kourouma est en route pour ce grand rendez-vous.
force républicaine pour la, c'est-à-dire, ils ont, c'est les Forecom. Forecom, c'est-à-dire la force républicaine pour une continuité. Il était député, hein, il était député. Papa Colli l'a mis député, c'est parce qu'il est au CNT, c'est lui qui regarde le tournoi. Donc, je m'adresse à ce jeune-là, Abaka Colli Kourouma. Tu es rentré dans un jeu qui va t'emporter. Voilà. Un jeu qui va t'emporter. Un jeu qui ne va pas te laisser. Tu ne peux pas embarquer la forêt. Heureusement, c'est la commune rurale. Parce que ce qui est dit actuellement là, entre nos parents forestiers là, nous les félicitons. On t'a mis dans un jeu où tu ne vas pas t'en sortir. C'est moi qui te le dis. Il faut aller à Samoï, organiser ce tournoi là. Vous avez parlé de 85 000 personnes, il n'y a pas de souci. Nous nous attendons que Doumbouya dit qu'il est candidat. Vous comprenez? Qu'il est candidat. C'est tout ce qu'on attend. Au lieu de tourner, il a toute l'armée. Parce que Dolko Leko, il va dire qu'il est candidat. Il faut se barrer. Donc, avec Kodibaro. Il n'a qu'à être candidat, faire la campagne, l'élection lui seul. Hein? Vous comprenez? Parce que la ville de zéro connaissement. Quand on. Là, hein? La ville de Zérékoré. Hein? La ville de Zérékoré. Vous savez, il y a combien de personnes dans la ville de Zérékoré? Hein? Hein? Ah, vous aussi. Je voulais terminer, clôturer ce petit direct, parce que je ne voulais pas faire le direct. Monsieur Baouri, vous êtes assis devant quelqu'un. Monsieur Baouri, vous avez dit devant le monde entier que vous regrettez d'avoir participé à la transition de Dadis. Que vous avez quitté, vous avez démissionné. Et puis vous avez juré. Le président a appelé au téléphone le journaliste Abdul Latif de se rendre dans son bureau. S'il ne le fait pas, s'il est kidnappé, que ce n'est pas de sa responsabilité. De quelque temps, les forces puissent débarquer chez lui. Il a fallu qu'il quitte le pays. Il a beaucoup de révélations à faire là. Déjà, comment? Ah oui, oui. C'est vrai, mon frère. Il faut laisser le procureur. C'est-à-dire, les gens là cherchent un prétexte pour valider la mort de Fonike Mangue et de Bilo. C'est-à-dire, pour dire qu'il, Latif a quitté. Mais c'est, il a quitté. Il est en train de faire des révélations. Parce qu'il était dans le beurre. Il était dans les informations. Donc, Monsieur Baouri, vous étiez assis devant Mamadi Doumbouya. Selon les informations, il t'a regardé, il a regardé tout le monde. Tu étais assis en face. Doumbouya t'a dit qu'il sera candidat. Il dit qu'il sera candidat pour l'intérêt du pays. Il a eu beaucoup de mots là. Il a prêté tellement de mots. Il est passé par le Rwanda pour entrer. Donc, le Rwanda a assuré Doumbouya. Ils l'ont mis en confiance. Il y a Dansa Kourouma qui doit aller en France. Dansa Kourouma doit aller en France. Est-ce vrai? Il doit aller en France pour s'expliquer, pour présenter, pour d'abord présenter ses documents à Emmanuel Macron, c'est-à-dire à la cellule africaine de l'Élysée. Donc, Monsieur Baouri, tu as regardé Mamadi Doumbouya face à face. Il te dit qu'il sera candidat. Tu as vu la réaction des partisans de l'Ansana Kouyaté. Est-ce que tu as vu? Est-ce que tu as vu la réaction des partisans de l'Ansana Kouyaté? L'Ansana Kouyaté, demain nous allons laver les trois là. Komara, hein, et Ousmane Kaba, demain c'est leur tour. Nous allons recommencer encore. Mais Monsieur Baouri, vous avez regardé ce type. Face à face, il vous dit qu'il sera candidat. Et vous avez dénoncé un troisième mandat d'Alpha Condé. Vous avez dit que c'est inacceptable. Vous avez posté pour dire qu'ils vont marcher sur les corps pour être candidat, pour être président. Monsieur Baouri, vous avez regardé ce monsieur. Face à face, il vous dit qu'il sera candidat. C'est un militaire. De surcroît, un légionnaire français, il n'appartient pas à l'armée régulière. Hein? Il n'appartient pas à l'armée régulière.
Il est venu vous amadouer, il vous a tous mélangés. Et tu sais ce qui se dit actuellement là? Nous sommes les mandingues. Maninka Andele de Baouri. Nous sommes les mandingues. Vous avez vu les postes des supporters de Doumbouya. Celui qui ne reste pas dans le bateau, celui qui n'est pas d'accord, qui débarque. Tu as entendu ça? Celui qui n'est pas d'accord, qu'il débarque. Je sais que tu auras peur de démissionner. Oui, ça c'est vrai. Hein? Je sais que tu auras, c'est-à-dire tu auras honte, on hésite à démissionner. Parce que tu es digne. Si ce n'est pas ce comportement-là, franchement, tu es un notable. C'est-à-dire tu es un oncle. Mais tu ne peux pas lutter contre un troisième mandat. Dénoncer tout ce qu'Alpha Condé a fait, selon toi. Et puis tu viens travailler avec les militaires qui commettaient toutes ces tueries-là au temps d'Alpha Condé. C'est eux-là, ceux qui sont en face de toi. Tu le sais très bien. Je sais que tu étais pauvre, tu n'as plus d'argent. À Wakili, tu es rentré pour avoir un peu d'argent. Oui, c'est vrai. Je te comprends. Je ne suis pas contre ça. Je ne suis pas contre qui distribue l'argent de la Guinée. Demain, je vais faire écouter le compte-rendu d'un Sénégalais à la maison de la presse. Il a parfaitement raison. C'est parce que le peuple a accepté que tout ça là se passe. Monsieur Baouri, tu as vu le pays démocratique qu'on appelle le Sénégal. Le président Diomaye Faye a demandé à la Cour constitutionnelle à quelle période il peut destituer l'Assemblée pour reprendre les élections pour pouvoir faire ses programmes. Et ils ont dit, il faut attendre telle période. Merci, cher Mouda. Merci. Amen. Et tu as vu, il a dissous aux yeux de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il y a eu bruit? Il n'y a pas eu de bruit. Parce qu'il est dans la légalité. Il a dissous. Et puis, automatiquement, il a programmé les élections pour le 17 novembre. Oui, je pense, le 17 novembre. Il y aura élection législative au Sénégal. Monsieur Baouri, vous avez vu le président Oumarou Sissoko Mbalo. Et lui qui ne sera pas candidat pour un second mandat. Parce que son épouse, il dit, je veux que tu te limites là. C'est son épouse, il a le droit de faire un deuxième mandat. Mais son épouse dit d'arrêter ici, c'est bon. Ce que tu as pu faire pour le pays là, tu l'as fait. Il finit en 2025, il s'en va. C'est lui qui va organiser les élections entre d'autres candidats. Voilà, les gens sont en train d'évoluer en démocratie. Regarde le Libéria. Ellen Johnson Sirleaf a quitté. Josué a quitté. C'est Boakai qui est là. Après lui, c'est un autre. Et regarde la Sierra Leone. Lui va finir son deuxième mandat. C'est un autre qui sera candidat. Il l'a déjà dit. En Gambie, il est en fin de... Oui. Mais dis donc. Toi, tu regardes un militaire. Toi, tu es civil, tu es démocrate. Tu as un parti politique. Un militaire te dit... qui sera candidat, et puis tu es là, tu es en train de regarder. Je vais te dire ce dernier mot pour quitter. Il y a des jeunes qui nous ont appelés pour nous dire « Doumbouya sera plus que Kagame. Doumbouya va faire comme Kagame. Il va gérer la Guinée pendant... Il va faire 30 ans au pouvoir, c'est-à-dire il va rester... » Moi, je n'ai pas répondu. Le message est là. C'est comme celui qui a dit là, que non, ils voulaient me faire du mal, mais les gens l'ont demandé pardon. Les gens viennent t'insulter à n'importe quoi. Dès que tu réponds là, c'est un problème. C'est comme ce que Singleton a fait. C'est lui qui nous a insultés. Mais on ne voit pas ce que lui l'a dit. C'est nous. Donc, M. Baouri, portez-vous très bien. Vous n'êtes pas concerné. Donc, merci, bonne nuit. Portez-vous très bien. Merci. Il est, pour terminer encore, Alpha Nyasa. Kouyate, Ibila Kuro, mille fois, ne les cafouillez. Ibrahim, Wafana, Ibido, Kono, Ibrahim, Ranneni, petit manamana Kanida. Manamana Kanida, mais Bolida la paix, manamana Kan. Ibrahim, manamana Kanida, Odi. Il bilakoro, Alpha Nyas Kouyate, il bilakoro, mille fois, ne le gafouyena. Il petit, il banana imbos. D'ailleurs, tu n'as plus le parce que j'étais bloqué. Voilà, j'étais bloqué. Tu viens m'insulter?
Et puis on te répond, et puis tu viens pleurer, pleurnicher sur la toile. Et puis il y a quelqu'un qui dit, non, yala, tu me dis coquilla, yala, tu me dis bakosa, ne moten ne fanena, mais n'importe quoi. Je ne voulais même, je me sens pas très bien ce soir-là. Ibrahim, c'est une balette, je ne voulais même pas faire direct. Mais ne le cas, il pila coro mille fois, alfania squiati. Ibrahim, c'est une vidéo, c'est une même là, ok. Basi mbolo. Basiti ta yelematola. Ibrahim, basiti ta yelematola. Basi mome mbolo. C'est lui qui a le médicament là. Il ne se vante pas. Ibrahim, il fait même pas de bruit. Il qui talon, il manque le talon. Ibrahim, il y a des gens qui ont tenté ça, ça n'a pas marché. Il est ni ma connaissance. Il qui ta basiko, il manque le talon. Basite nebolo. Allah le nebolo. C'est Dieu qui mangeait. Moi, je n'ai que Dieu. Hein. Je prie. Voilà, je prie, je prends soin de ma famille. Il est concoto. Au lieu d'aller chez ça, travailler là. De Pani, Nko, Keo, le Fala. Au lieu qu'il y ait Bara, il Bara, Nini, il concoto. Vous êtes en train de partir dans les maisons des gens qui s'y cachent. Ataya Ouri, Dika, Molmato, Kaouris, non, Adumbia, Dika, Abaforum, la Po. Vous serez les premiers à prendre la route de Bamako pour quitter le pays. Ne Kailon, Aïbe di Bouriko à Bamako. Vous allez abandonner ce pays pour aller à Bamako. En cagnon, là. Oh, on se connaît. Albert Dike, la Guinée, Pepe. Ibra Oulada, je ne voulais pas répondre à Oulada. Aïka Okonya, toujours. Mais je cherche parce que je l'avais bloqué. Je voulais l'envoyer les photos de mon beau. Parce qu'allez, les cocos, ils ont mis mon. Comme mon beau a été mis en prison. Je voulais l'envoyer les photos de mon beau. Voilà, il n'y a pas un libérien aujourd'hui. Parce que les gens m'ont appelé. On dit, ah, on parle de ton beau là qui a fait la campagne de Georges Wadi. Ah, non, vous êtes, Manamanakan n'a aidé quoi. C'est-à-dire, vous n'êtes pas bien. Et puis, Manamanakan, ben ça. Mon beau là, il est actuellement là. Il est actuellement là, ici, là, juste à côté, ici, là. Il m'a appelé hier. Il dit, ah, il paraît qu'il y a un jeune là qui dit que je suis en prison. J'ai dit, non, c'est quelqu'un qui l'a dit. Parce que, au fait, Oulada, il m'a mené. Mon beau là, c'est un politicien. Politicien, il a beaucoup d'adversaires politiques aux États-Unis ici. Tu as compris, il y a beaucoup ici. Là. Peut-être c'est un qui t'a appelé. Comme les gens n'ont plus ces nouvelles là, ils t'ont dit. Personne n'a ces nouvelles. Depuis qu'ils ont perdu les élections, il a fait profit bas. Sinon, avant les élections au Libéria là, il postait tous les jours. Comment à Demsole. C'est ma nièce là qui vient d'être policière. Va sur sa page. Il a un trafic à photo au Belawaïma. Il dit, voilà, allez quoi. Vous perdez votre temps. Je voulais t'envoyer la photo de son poste. Mais demain, Inch'Allah, je vais poster son dernier poste. Tu vois, vous allez voir. J'ai pas voulu le faire. Même maman, il faut le. Mais demain, je vais faire exprès. Le poste qu'il a fait la semaine passée là, je vais poster ça. Et le poste qu'il a fait, c'est avant qu'il a posté quelque chose encore, en anglais. Ni anglais, quand maintenant, il dit Wakan. Il a posté, il va cliquer, il dit invitation à Oulada, il dit invitation à Wama. Il va accepter ton invitation. Mbarafou, il y en a. Ibratoala, ça, ce sont des Libériens. Libériens ne vous le dit. Ce sont des Libériens. Ce sont des Konyanke du Libéria. Ou Taita Tolaï. Ou le gars qui Mbarafou, Ibratoala, j'ai trop peur pour toi. Et j'ai dit devant le monde entier. Il n'y a pas de l'onde de qui m'a dit, ou bien ne le qui fa, ou bien ne le kakete, il est où là-dedans. Bravo, Béana, j'ai dit, moi, c'est un brin de téléphone, là, bravo, Nyana. Bravo, publiquement, pour ne pas que quelqu'un a, Benito, c'est Benito le cas où là-dedans fa, Benito le cas où là-dedans c'est un kadi, Benito le cas où là-dedans kete, ne te offola, ne te tu la, allez, je vais. Voilà. Mais dans la, mon frère, Bouba. Non, Bouba, mon frère, je vais l'envoyer. Tadindi, demain, je vais partager. Vous verrez ça, je vais partager ses postes demain. C'est en anglais, tout est en anglais. Le monsieur est anglophone, il ne comprend même pas français. Voilà, c'est quand moi j'étais en Guinée, il passait, il me dit bonjour, et puis il venait aux États-Unis. Il fait les vagues. C'est l'ami intime de George Weah, le président Weah. Les deux là sont comme ça. Attends, une minute, je vais donner une minute, je vais vous montrer. Si j'ai là, l'autre téléphone là, lui et moi, on n'est pas amis ici. Sinon, j'allais vous montrer, voilà. Voilà. Regardez-le. Voilà, il est là. Est-ce que, voilà, ça tombe très bien. C'est sa page, ça. Attendez, ça va.
Regarde, les voilà ici. C'est mon beau, ça. Voilà, c'est lui où Lala dit qu'il est en prison. Regardez-les. C'est lui qui a fait la campagne de George Weah. Il faisait partie de la direction de campagne de George Weah. Regardez-les. C'est lui, hein. L'élection qui vient de se passer là, l'élection où Weah a été battu là. Attendez. Et Allah. Regardez ici, regardez. C'est lui qui est en blanc là. Regardez, c'est lui qui est en blanc. Regardez, c'est lui qui est en blanc. Vous l'avez vu, il est avec George Weah comme ça. Regardez, c'est lui où Lala dit qu'il est en prison. C'est un ami intime à George Weah. Tout récemment, vous avez vu le président Weah en train de jouer au football là. Si vous faites attention, il est arrêté à l'angle comme ça. Même actuellement là, partout, des fois, Weah l'appelle, il prend son billet, il le rejoint. Oui. Regardez-les ici. Ils sont à la mosquée, regardez. Le président Weah rentre à la mosquée à cause de lui. Le président Weah. Il rentre dans la mosquée à cause de lui. C'est à cause de ça, je dis à... Ça dit, ni ma molon. Allah akbar. Regardez-le ici. Vous l'avez vu. Donc, bonne nuit. Portez-vous très bien. Mais... Non. C'est un politicien. Il est n'y a pas un libérien qui ne le connaît pas. Il n'y a pas un libérien qui ne le connaît pas. Il n'y en a pas. Ça, c'est lors de la campagne. C'est lui qui est en jaune comme ça. C'est lui qui est en jaune comme ça. Kono, Benito, il t'a fait demander quoi à quel abo cassola. Ça me fait rire quoi. T'as dit, moi-même qui a information d'Ima, c'est qu'à la information de Bratunu Ulma, à Imalo à Dia Dia. Et quand les élections vont, les prochaines élections vont commencer là, Nda photo faire un bel avoir, n'est comme ça là. Il m'a demandé d'aller au Libéria, rester là-bas, travailler. N'est le maçon. Oui, il m'a dit de dire non, c'est trop proche de la Guinée, parce que le gars l'a atteint délinquant. C'est tout, Ntoum Basson, Ntoum Doua Libéria, quoi, Baraï, travailler, parce que, voilà, il allait m'employer, et puis continuer ses affaires, parce que, politicien, quoi, la campagne qui vient de passer là, c'est lui qui a fait la campagne. Il était l'adjoint du directoire de campagne de George Weah. Mais à part ça, c'est son ami intime. Il n'y a pas. Foustaï Fran Folali, c'est le sommet qui les sépare. Qui ici, Manamana Kanavle, qui ici, Betty Akumala, du coup. Il s'est dit maintenant, tu as fait ça, tu as insulté ma maman, tout ça là, où qu'on y, il n'y a pas de souci. Embrassons Obama. Je vais vous montrer, regardez. Ça, c'est son poste comme ça, regardez. C'est sa famille, ça. Vous avez vu sa famille? Voilà. C'est ma petite sœur, ça. Voilà, c'est celle-là qui vient après moi. C'est ma petite sœur, ça. Après moi, c'est celle-là. C'est sa femme, ça. Voilà. Vous avez vu ses enfants? Voilà ses enfants. Celle-là, ça, c'est la, c'est Hawa, ça. Elle est devenue, c'est une policière. Elle est policière. Regardez-la très bien. Regardez, ça c'est l'homonyme maman, elle est policière. Voilà. Elle est policière. Ici là, elle est avec sa fille, ça. Regardez, sa fille est policière, hein. Sa fille est policière. Kono, ko Benito a faux, il donne, quoi, il fait qu'elle a. Il te fout ce calama.
Finciama et Ndisaïrila. Taylor l'a mis en. Taylor Kabla de Kassola. Taylor Kata Kabla Kassola. Si tu veux que je t'informe là, Ndi informe là. Le voilà ici. Ibrahim. Alors, ça c'est en 2024 là. Le voici ici, Ibrahim. Tu as vu ici. Taylor le Kabla Kassola. Tu as vu Taylor. Au temps de Taylor. Nous fuyons là. Politicien, allez dire, c'est un politicien. C'est un politicien. Mais, je ne voulais pas mettre ça là, depuis, je n'ai pas un cas qui te fait encore, s'il m'autorise à faire passer, il dit, il faut faire passer. Ben, faut aussi un mandat, il dit là, si tu veux. Ibrahim, regarde-le. Bonne nuit, portez-vous très bien. Comme mana, quoi, feuille d'homme, si, quoi, à quel abord, cassola, mana, mana, quand. Et informé, au lieu de chercher des informations, quoi, banama. Quoi, ses amis, ses opposants aux États-Unis cherchent ces informations. Ils n'ont pas ces informations. Le gars est en train de faire sa vie, sa belle vie. Et puis, hein? Thank you.